Bonjour et bienvenue à ce cours de programmation pour base de données. L'outil qu'on va utiliser dans le cours, c'est Oracle. On va falloir l'installer. Je vous recommande d'utiliser une machine virtuelle puisque ça, vous allez isoler un petit peu ce qui se passe avec votre Oracle. Puis après ça, vous allez pouvoir jeter ça aux poubelles à la fin du cours. Première chose qu'il faut faire, c'est télécharger Oracle. Je vais ouvrir Edge ici parce que c'est ce qu'il y a sur la machine virtuelle. Et je vais chercher ici Oracle Express Edition, l'édition Express, qui est la version gratuite. Premier résultat, il a l'air de faire du sens. Avec Free Oracle Database for Everyone, je teste un petit peu ici, puis j'ai download. Les cookies. Ici, Download Oracle Database XE, Express Edition. Je clique là-dessus. J'arrive ici et celle qu'on veut, c'est celle pour Windows. Vous cliquez dessus, ça va le télécharger. Je vérifie si c'est bien vrai, là. Des fois, il y a des options supplémentaires. Parfait, ça a l'air de fonctionner. Ici. Une fois que ça va être téléchargé, vous allez avoir un zip comme ça ici. Vous le dézippez, vous l'ouvrez. Vous allez chercher Setup. On clique là-dessus. On fait oui. Je vais faire suivant, Next. On lit la licence. Next. Et on va changer l'emplacement ici. Pour faire change, on va dire que ça va aller dans le C2.oracle. Et je fais OK. Juste pour simplifier le chemin pour plus tard. Je fais Next. Ça prend un mot de passe pour les comptes administrateurs de la base de données. Moi, je l'appelle mon mot de passe, je vais mettre XE pour Express Edition. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est vraiment de ne pas le perdre parce que comme ça, vous ne pourrez plus avoir accès. Ou du moins, ça va être compliqué. Donc, on fait Next. C'est une marque où est-ce que je veux l'installer. Je l'installe et ça prend une quinzaine de minutes. Je vous reviens par la suite. On arrive avec un petit avertissement du pare-feu. On peut permettre l'accès. C'est une machine, dans le fond, qui n'a rien de spécial. Dessus, c'est juste éducatif, puis on va la mettre au vidange à la fin du cours. Après un certain temps, ça va se terminer comme ça ici. Vous voyez, dans le fond, on l'a installé localement, localhost. Le 2 points avec le 1521, c'est le port par défaut d'Oracle. XEPDB1, c'est l'instance que j'ai installée ici. Vous pouvez le noter, le XEPDB1, mais c'est pas mal tout le temps ça. Je ferme ici. On va vérifier que tout fonctionne bien. Grande. On va faire ici SQL plus espace système et le mot de passe qui est XE dans mon cas. Là, ça fonctionne, on voit que tout est correct. Nous, on n'ira pas en ligne de commande. On va plus utiliser un outil qui s'appelle SQL Developer ou SQL Developer que je vais installer. On va ouvrir ici Edge dans mon cas. On va chercher SQL Developer. Je me suis fait un point de. Je me suis fait un instantané, un snapshot, une fois que l'Oracle était installé. Ici. SQL Developer, je clique là-dessus. C'est un petit peu tannant parce que lui, il faut se connecter au site pour pouvoir l'avoir. Downloader. Load.
je l'ai ici avec Windows 64 bits, c'est probablement ce que vous avez. En fait, c'est pas mal sûr que c'est ça. Avec Java Development Kit 8 inclus, je pense qu'un ou l'autre, ça va fonctionner ici. Il n'y a pas une grosse différence de toute façon. Et je m'en vais ici. On lit la licence. On télécharge. Oh, là, ça nous prend le mot de passe. Le compte à Oracle est gratuit. Là, vous avez juste à le créer ici. C'est juste dommage parce que c'est une étape de trop. Là. Je ne sais pas pourquoi il nous demande de créer un compte. En fait, il demande de créer un compte pour SQL Developer, mais il ne demande pas de créer de compte pour Oracle, ce qui est un peu. SQL Developer, vous avez juste à l'extraire. Bon, c'est terminé. Ça a été quand même assez long. Je fais ça ici. Après ça, je peux juste double-cliquer sur SQL Developer. Encore de la patience. Ça nous demande si on veut importer les préférences précédentes. Juste le choix de dire non. Non. Le petit pop-up qu'on a ici, c'est pour dire est-ce qu'on veut envoyer dans le fond l'information sur notre utilisation. C'est vous qui décidez. J'en envoie pas. Ensuite de ça, on a un petit plus ici où on voit que c'est marqué Connections, nos connexions. Un petit plus. Vous la nommez comme vous voulez, dans le fond, mais l'important c'est de savoir. En fait, que ce soit descriptif, parce que vous pourriez avoir plusieurs types de connexions dépendant de comment vous vous connectez à la base de données. Là, je vais en faire un, dans le fond, comme système ici. Le nom, c'est système. Son mot de passe, c'est XE. Ici, le service name, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, votre instance. XEPDB1. Hostname localhost. Je vais tester ça. Des petites erreurs dans mon compte. Je le mets ici, système. Je ne sais pas qu'on le retrouve tantôt. Username, c'est système. Password, XE. Hostname, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne. Puis localhost, ça ne fonctionnait pas. 0.0.0.0. Le port, on ne touche pas et on met service name qui va être le XEPDB. Faites test. Il y avait le rôle ici qui n'était pas bon. Là, je clique sur, je laisse le défaut, je clique sur test. Ça fonctionne, je me connecte. Et on voit que ma connexion s'appelle système DBA. DBA, c'est pour Database Administrator, administrateur de base de données. Donc là, ici, on a. Je vais prendre ça. C'est des choses qu'on va voir dans le courant de la session, mais là, on a des fonctions, des procédures, des packages, des index, des vues. Ça, c'est toutes des choses normalement que vous n'avez pas vues jusqu'à maintenant. Ce que vous connaissez, c'est des tables pour l'instant. Il y a des choses qu'on va voir ici dans le courant de la session. Donc juste vous assurer que ça fonctionne. Si vous avez des problèmes, écrivez-moi sur Teams. Je suis quand même disponible. Je vais essayer de vous dépanner. Good. Bonne chance avec ça.